Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. L'effondrement au ralenti des marchés financiers observé récemment est un effondrement du système tel que nous le connaissons. Mes contacts extraterrestres m'en avaient averti le 31 octobre 2018. Ils avaient précisé que c'étaient les factions extraterrestres humites qui étaient en train de mettre en place un nouveau système monétaire. Le système actuel allait être remplacé. Il semblerait que ce système soit actuellement implémenté, notamment grâce à une collaboration terrestre et extraterrestre, grâce au Covid et à l'enregistrement des identités numériques. Mes contacts avaient précisé à l'époque qu'ils n'avaient pas beaucoup de détails sur la crypto-monnaie qui serait employée et que c'était le domaine de prédilection des humites. Ils avaient souligné que la mise en œuvre pourrait prendre plusieurs mois. Ils ont dit que ce n'était pas Bitcoin, car Bitcoin a deux faces. La première, selon eux, a été créée par la CIA, la seconde par les humites pour contrer la tentative de la CIA de l'imposer comme unique système monétaire mondial. Selon ce nouveau système, les emprunts et les dettes devront toujours être payés, mais sans les intérêts. Ce point est vrai pour les civils et pour les petites entreprises. Il y aura un ajustement de la dette par rapport à ce qui a déjà été réglé en termes de dette principale et d'intérêts. La gestion du nouveau système monétaire serait fait par des organismes bancaires entre les mains de gens du peuple, pas dans celles des banquiers traditionnels. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant par rapport à ce qui est actuellement en train d'être mis en place. Je ne peux affirmer que les humites sont encore impliqués dans la mise en place du système en 2022. Ils ne sont plus qu'une poignée d'individus dispersés sur divers continents sur Terre. Et d'après ce que je comprends, il s'agirait dorénavant d'une nouvelle collaboration entre des groupes de contrôleurs terrestres et des groupes extraterrestres, ce que l'on pourrait appeler un consortium sous l'égide du gouvernement mondial 2.0. La différence entre le nouvel ordre mondial 1.0 avec l'agenda 2021 et le nouvel ordre mondial 2.0 avec l'agenda 2030 et que le premier était géré essentiellement par les USA et l'ONU et le second représente une prise en main par les francs-maçons et un ensemble de pays alliés dont le principal est la Chine. Comme nous le voyons actuellement, beaucoup de choses sur Terre sont en train de se dégrader, que ce soit du point de vue du climat, de la vie sociale, des rapports entre les gens, de la spiritualité, de l'économie. Continuons donc avec ce point. La moyenne industrielle du Dow Jones est en baisse constante, tout autant que les actions, les bons du trésor, les crypto-monnaies qui sont en baisse des deux tiers et la rumeur court que les actions vont chuter de 90% dans les semaines qui viennent. L'or en pièces ou en micro-lingots que vous gardez chez vous est un meilleur placement.
lorsque la guerre en Ukraine va se terminer et la résistance ukrainienne pourrait même être brisée dans les 4 à 5 prochaines semaines, selon des sources gouvernementales, le premier pays à tomber sera l'Europe, et avec l'Europe, bien entendu, la France. Les Russes ont coupé leur gaz parce qu'ils n'acceptent pas la monnaie fiduciaire adossée à rien comme paiement pour des biens réels. La semaine dernière, l'Italie et la Slovaquie ont déclaré avoir reçu moins de la moitié des volumes habituels de gaz en provenance de Russie. La Pologne, la Bulgarie, la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas ont déjà vu leur livraison de gaz russe suspendue. L'Allemagne sera elle aussi confrontée à une coupure bientôt. L'Algérie a coupé la moitié de l'approvisionnement en gaz qu'elle envoie à l'Europe par gazoduc et la France ne reçoit plus de gaz depuis le 15 juin. Les USA avaient promis aux Européens qu'ils remplaceraient le gaz russe, mais leur principal terminal d'exportation de gaz a été détruit et qui plus est, la plus grande raffinerie de pétrole d'Ukraine a été elle aussi détruite, coupant une autre source majeure de pétrole européen et français. La chute de l'Ukraine s'accompagnera d'un arrêt de la fourniture de gaz et si la production n'est pas remplacée maintenant, l'hiver 2022-2023 risque d'être rude pour une grande partie des Européens et des Français. Il y aurait aussi actuellement une opération majeure internationale visant à assainir les flux d'argent blanchis et corrompus des 75 dernières années, et ce sera peut-être ou probablement suivi de la chute de certaines grandes banques, les raisons étant celles que j'ai évoquées dans la vidéo numéro 40, la volte-face des contrôleurs, épisode numéro 2. Regardez-la de nouveau si vous ne l'avez pas comprise. Si cette nouvelle est annoncée, une crise économique encore plus importante que celle que nous connaissons maintenant commencera cette année et durera toute l'année prochaine. Cette crise pourrait être similaire à celle qui a eu lieu en Russie au début des années 1990 avec de grandes communautés civiles sombrant dans la pauvreté. Et par conséquent, de nombreuses choses quotidiennes qui paraissent simples maintenant, comme prendre une tasse de café le matin, deviendront un luxe. Les Russes spécifient que les institutions internationales s'effondrent et les garanties de sécurité sont dévaluées. Il s'est avéré tout simplement impossible de parvenir à de nouveaux accords avec l'Occident. L'Union européenne a complètement perdu sa souveraineté politique et conduira à une rotation des élites dans un proche avenir. Et ils affirment que les contacts avec l'Europe sont absents des priorités de la Russie. Il est clair que la Russie a l'élite occidentale dans le collimateur. La Chine, de son côté, a un rôle stabilisateur. Elle travaille avec la Russie pour pousser le nouvel ordre mondial 2.0, la supra-gouvernance mondiale, dans une direction plus juste et raisonnable,
a déclaré le président chinois Xi Jinping. Les temps sont en train de changer de manière radicale. Vous le voyez bien de vos propres yeux. Vu la situation planétaire et toutes les transformations dont nous sommes au mieux les témoins distants, au pire, les victimes en danger. Et même si je ne veux pas tomber dans le catastrophisme, ni la fin du monde, de manière très pragmatique, je vous conseille vivement de vous préparer. Ayez suffisamment d'eau, de vêtements, de protection et une réserve alimentaire en amont des crises pour faire face à tout ce qui pourrait se produire, que ce soit majeur ou mineur. Et si rien ne se produit, ce que nous espérons tous bien sûr, vous ferez des économies en achetant les produits maintenant, car ils vont continuer à manquer et les prix ne cesseront d'augmenter. Si vous le pouvez, apprenez également à faire pousser vos légumes dans un jardin ou dans des jardinières sur votre balcon. Ne serait-ce que des laitues ou des tomates qui poussent facilement, car ce qui manquera, ce n'est pas les boîtes de conserve que vous pouvez acheter, mais des choses vivantes, donc de la verdure, des fruits, des légumes, etc. Que la planète X existe ou non, que les catastrophes planétaires soient dues à des manipulations climatiques artificielles comme les chemtrails, les épandages chimiques ou les stations HARP, ou encore à des cycles naturels de la planète au fil de sa vie de planète, indépendamment de celle des terriens. Le plus important maintenant, ce n'est pas d'essayer de clarifier ces points, puisque vous n'en avez pas les moyens. Vous n'êtes pas encore dans l'espace vous-même pour aller vérifier tous ces éléments de vos propres yeux. Le plus important actuellement, c'est de faire le point sur votre réalité à vous, votre vie quotidienne et votre environnement. Essayez de soupeser les risques éventuels auxquels vous pourriez être confronté et apportez-y une ou des solutions. Par exemple, si vous habitez au pied d'un petit ruisseau ou d'un petit torrent qui ne fait que 30 cm de haut l'été, sachez qu'après des pluies torrentielles pendant plusieurs jours, la hauteur sera considérablement plus élevée de plusieurs mètres. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Si c'est le cas, je vous conseille de faire comme moi, déménager rapidement, parce que les choses ne vont pas s'améliorer. Si vous n'êtes pas dans cette situation, évaluez quand même vos risques en termes d'impact par l'eau, le vent, les glissements de terrain, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Si vous ne savez pas le faire, ou si votre âge ou vos capacités physiques ne vous le permettent pas, faites appel à un technicien. Il y a de petites sociétés pas trop chères qui peuvent le faire pour vous. Et si vous estimez que tout est sous contrôle et que votre stock de survie et votre petit jardin se développent bien, et si vous vous sentez profondément en accord avec le lieu où vous vous trouvez et que c'est exactement là où vous devez être et nulle part ailleurs, que vous vous y sentez bien, alors, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Méditez et soyez heureux.
Je vous retrouve d'ici quelques instants. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.